qu'est devenu cet en haut, dans leur gloire étrange, le jeune Raphaël et le vieux Michel-Ange éblouissent l'époque à genoux devant eux. Oh, comme les autels, la peinture était sainte. L'artiste conservait à son front une teinte du nimbe de ses bienheureux. Et Jules II régnait, nature riche et large, qui portait tout un siècle et jouait sous la charge. Il ploya Michel-Ange avec son bras de fer, et, le voyant trembler, sachant qu'il n'était qu'homme, au dôme colossal de Saint-Pierre de Rome, le traînait, en jurant, allumer son enfer. Tout était grand alors comme l'âme du maître, car il avait au cœur ce Bonaparte prêtre, des choses que n'ont point les rois de ce temps-ci. De tout homme ici-bas, il pressentait le rôle. Il disait à chacun, lui frappant sur l'épaule, « Marche, ta gloire est par ici. »